Bienvenue sur mes hôtels, côté que nous parlons de tête silencieuse, et nous parlons de gasket tête silencieuse, et nous avons besoin de bagages qui sont scraper, pas tout le monde qui souvent gagne. Scraper est un bagage que je utilise souvent, comme vous voyez que je gagne le Mac Saladin, c'est parce que je utilise souvent. Super scraper qui s'allie lui-même, il permet de nettoyer tête silencieuse. Il permet de nettoyer, il gagne en surface qui est vraiment plate, vraiment plate, et qui doit parfaitement droite et un cap moto qu'on capable utiliser lui et puis tout n'a besoin un caliper et nous toujours parler de caliper et je t'en pas besoin de trois coins et n'a besoin de trois coins mais c'est après et puis t'en as besoin filet gauge côté de capable utiliser et ça que nous besoin pour nous contrôler distance qui gagne entre tête cylindre avec et bloc moteur là et ça et puis tout le bac qu'on a besoin et n'a parlé de boulot et boulot tête gasket yo. Mais voilà, et vraiment important pour yon gen yon ki long, yon ki plus court, la moto technique qu'on va détecter même si c'est pas ou même qui retire boulon dans moteur là. Imagine que ou fait night shift comme si ou travaille dans la soirée puis tout comme qui travaille avant et ben les retire boulon tête cylindre et ben ou capable identifier qui bon boulon yo sorti parce que ou après ça dans tête cylindre la moto qu'on capable identifier ça et puis on a parlé de et stress boulon comprend. Souvent stress boulot qu'on va comparer avant que vous mettez dans le moteur. Encore pour connaître qui wall et tête cylindre dans le jeu dans le moteur là, et bien besoin de trouver un scénario de sa moteur là fait qui permet qu'il a besoin de tête cylindre dans le moteur machine là. Et bien il y a une raison qui fait nous besoin de tête cylindre lorsqu'on vire le moteur là, lorsque start la vire le moteur là, et on nous a parlé de ça dans la dernière vidéo nous, et ça passe lui-même, et bien on gagne un piston ça qui en l'air et qui s'est parti numéro 6 piston. Et numéro 6 dans la tête cylindre, lorsque il râle l'air, ok, lorsque il râle l'air là, ou plutôt injecteur là, avoué gaz avec l'air en même temps en dans cylindre, piston râle l'air en descend, pendant que il râle l'air en descend, pendant que il prend le monter pour compresser l'air là, et bien, tête cylindre lui-même va violer lui-même, il bouche, et comme si il bouche, et il bouche partie ça. Cylindre là, et puis tout qui ça va faire lui-même, et bien le compresser là, lorsqu'il est là compressé, et puis tout bougie en passé, et passé ignition là, et puis tout bougie en passé, et puis tout, il fait une explosion. Et bien explosion qui fait là, qui fait sous tête piston, et bien qui sont besoin de faire avec ça pour capter et explosion pas sortir ni dehors. Ni de yon moteur là, ou du moins sorti dans tête cylindre, et bien on besoin tête gasket, on gasket tête cylindre. Et bien on besoin gasket tête cylindre pour qu'on mette là, et bien gasket tête cylindre qui ça lui fait, lui protéger tête cylindre avec bloc moteur là, et ça fait que vous voulez tête gasket. Et bien qu'est-ce qui passe, lorsque l'air compressé là avec explosion fait, ou pas voulez l'air sorti en bas et cylindre là, ou pas voulez l'air sorti là-dedans, en même temps tout. Ou pas avoir l'air et passer en bas gasket là en bas tête cylindre et vous besoin gasket qui pour mettre ensemble et comme si son col ou mettez qui gagne et vous mettez tête cylindre sur bloc moteur là ben qui permet l'air pas sortir et c'est wall qui tête gasket là et puis tout l'autre wall gasket là fait il permet de l'eau passer ça c'est chambre de l'eau qui c'est coulant moteur machine là il permet coulant là passer. Et puis tout, en même temps, tout, il peut permettre l'huile passer en dans le moteur. Là. Mais tête cylindre, ça, déjà, façon moteur, ça fait un différent. Et bien, c'est seulement de l'eau qui passe dans tête cylindre. Là. C'est seulement de l'eau qui passe dans tête cylindre. Qu'on y a là, à cause de l'eau, dans le moteur, ça seulement, à cause de l'eau qui passe dans tête cylindre, là, souvent, qu'on a un titre ou l'huile qui passe dans le moteur. Là. Comme si on a de l'eau avec l'huile qui passe dans différents moteurs. En même côté dans la tête cylindre dans le bloc moteur là dans partie bloc moteur là et bien bloc moteur ça c'est comme c'est de l'eau seulement qui passe là-dedans et mon besoin un gasket qui pour réduire pression de l'eau au lieu que lorsque de l'eau a pompé pour ta permettre de l'eau à pomper t'as 20 ans couillon et t'as 20 ans couillon pompe qui a pompé de l'eau et puis t'as 20 ans couillon courant qui a coulé mais au besoin réduire courant pour permettre la pression et bien vous mettez un petit trou dans tête gasket là qui c'est titre ça qui pour contrôler pression de l'eau qui allait dans tête moteur là et mais si pas faire ça et ben corps moteur là t'as gétan refroidi comme si de l'eau t'as gétan tête et cylindre là et mais qui sont besoin faire
ou besoin réduit petit trou ça yo en dans tête cylindre en dans gasket tête cylindre qui pour permettre l'eau à passer sorti en dans bloc moteur là pour aller dans tête cylindre et pour retourner encore. C'est comme si l'eau a passé là et tout lui descend là pour lui tourner encore là les côtés là dans radiateur là pour lui capable retirer chaleur dans radiateur là dans coulotte là. Et mais c'est wall et tête gasket là qui permet lui l'air pas sorti entre fait à fait côté qui wall côté qui va joindre bloc mode et cylindre qui c'est ça tête cylindre acheter là comme ça. Ça c'est tête cylindre et ben nous pour parler de tête cylindre pour nous voir plus bien et ben dans mi tête cylindre avec et bloc moteur là et besoin gasket c'est ça fait que ou besoin gasket nous pour parler de gasket là on a parler de dimension tête gasket là pour nous parler plus sur lui et ben c'est wall gasket là ça et puis tout souvent lorsque gon moteur dans mon qui on joindre l'huile en dans coulette qui compare comme si coulette l'antige pas être coulette dans réservoir coulette dans devant moteur machine lorsque ou lever capot qu'on ouais réservoir à pomper et comme get tiboule cap comme get tiboule cap sorti en dans le palais tiboule comme si chez chaleur en cap sorti en dans réservoir là souvent ça comme passer à cause gain de l'eau qui a passé entre bloc moteur là avec tête gasket là calé dans tête cylindre là et mais ça comme passer si que là c'est que la tête gasket là entre la cassé you kon cassé ou du moins you kon cassé là ou du moins kon cassé la tête gasket là kon cassé ça passe si que combustion qu'a fait en dans moteur lorsque moteur là monté pour capable compresser l'air lorsque moteur là a monté pour compresser l'air et ben l'air kon passe en bas tête gasket là c'est que au mal tocli c'est que au mal tocli et ben tout ce qui tête gasket commence fini et ben l'air kon passe en bas tête gasket là pour aller dans l'huile parce que automatiquement l'air là passé et puis tout ou qu'on gagne de l'eau là gagne de l'eau qui chita là et ben c'est que tête gasket tout commence fini automatiquement il commence pourri et ben la permet de l'eau al tomber dans l'huile et ben ou qu'on joindre l'huile ou qu'on joindre coulette dans l'huile et ben lorsque joindre coulette dans l'huile et ben ou vienne joindre pas être coulé ban coulette en coulette ou du moins si l'huile elle même li gagne passage li en bas tête gasket là pour venir tomber en dedans en combustion ou bien li mêlé avec de l'eau et ben ou joindre de l'eau et de l'eau a vinn tan kou yon lèt mais sou joindre l'huile là le coulette là al sorti tomber en dedans l'huile moteur là ou capable joindre la fumée tout de noir. Et ben l'autre bagage encore il tête gasket là qu'on fait il y a plusieurs bagages tête gasket là qu'on fait et on va expliquer ça et l'autre bagage tête gasket là qu'on à cause qu'on rive souvent et lorsque la cassé et ben l'air qui compressé en dans piston ça il qu'on traverser vient tomber en dans piston ça et ben pour capable mettre tête gasket tout normalement pour toc li bien toc et pour tout faire permettre plate et ben obligé étroyer surface et tête moteur là tête cylindre et tête moteur là à bloc moteur là et puis tout ou qu'on et gain compaille à cause bloc moteur là yo qu'on réduit la donne yo qu'on réduit la donne pour permettre les plate et nous parlons moto comment capable régler s'il plate parfaitement plate ou du moins est-ce qu'il couché et ben parfois qu'on peut le non compaille un mit réduit dans comme moteur là mais pour faire ça et bien obligé mettre yon tête gasket qui antigen plus gros que ça tête gasket là gon bagage qui le thickness of tête et cylindre head là comme si tête gasket là qu'on gagne thickness les gagne mesure et souvent lorsque on retire faut qu'on ajoute et ben souvent on fait ça dans machine qui performe comme si moteur machine qui performe tant coup et une machine qui fait course une machine et diesel le souvent à cause de porter un pile poids yo qu'on fait performance à dedans puis quand entre plus l'air plus combustion pour moteur là capable bailler plus poids mais une machine normale tant qu'on moteur comme ça normal ou pas besoin retirer surface seulement besoin faire plate ou qu'on retire un petit cal tout petit et puis tout ajouter un tête gasket pour permettre performance ça toujours marcher normalement et mais c'est ça que nous allons montrer dans la vidéo sous table parce que nous avons une table et nous allons camper nous allons pas tellement parler de là nous allons chita pour nous parler des tête gasket là et puis tout bloc moteur même des besoins moutrou et lorsque l'air là combustion comment c'est fait et compresser l'air le qu'on passe en bas et tête gasket là elle tomber en dans l'huile là le qu'on va pression et ça fait que me t'a parlé comme si ça comme cause silo a couler l'huile ou du moins moteur a bouler l'huile ça c'est une raison qui cause ça tout et puis tout de l'eau qu'on passe en bas tête gasket là de l'eau qu'on passe en bas tête gasket là c'est qu'elle est pourrie et ben elle tombe en dans l'eau et ben si le pression l'huile trop fort les qu'on passe en bas tête gasket là elle tombe en dans l'eau là et ben et puis tout dans l'autre moteur tout qu'on gagne petit trou pour l'huile et puis tout dans tête gasket là puis faut être majorité
et tête gasket toujours gagne même forme, toujours gagne même bagarre, mais c'est seulement dimension yo, diamètre qu'on différent, mais c'est toujours même bagarre avec différents matériels, gagne qui fait avec métal, gagne qui fait avec carton, non système carton bagarre, un matériel qui fait en carton parce que ça ca pourri, et ben gagne tout c'est avec métal. Si que marche ou mettre tubo non machine nous m'a tout parler savoir c'est quoi mettre tubo non machine gasoline faut qu'on connaît mesure et gasket là parce que ils compte souvent mettre un double et tête gasket là dedans comme ce qui fait tant que double mais c'est en métal li fait ou capable fouiller droit et capable fouiller un tournevis en balé ou capable lever le bagage parce qu'on pourrait les gain des têtes gasket et puis tout et ben c'est ça que nous gain pour dans dimension tête gasket qui parler sous tête moteur là et ben nous parle pas vidéo pour nous parler des et tête cylindre qui parle pour tes plus bon et belle bagarre pour nous même pour carbo parce que vidéo ça vraiment belle en pile ma première vidéo ça tout parce que c'est une bagarre moi me fait à expliquer non bagarre moteur so en partie. D'abord, on nous parle des têtes cylindres. Et têtes cylindres même qui s'allie, qui voit les jouer, lui permettent et machines respirer et puis tout lui entrer l'air. Lui entrer l'air là-dedans et puis tout cela donne l'air passer pour entrer. Et souvent qu'on mette yon valve cover qui capable entrer l'air en dans moteur là, mais souvent tout têtes cylindres quand tout fait l'air passer en dans moteur là. On nous vire pour capable et quand ça n'a pas l'air. Après là, ça c'est côté l'air là entrer en dans têtes cylindres, l'air entrer. Ça c'est intake et puis tout là lui-même c'est exhaust côté là passé sorti aller dans mon frère là 1 2 3 on va me gagner 2 4 6 chaque avec intake qui c'est là exhaust et ben j'ai quoi regarder et tête cylindre ça il gagne pile bagarre là-dedans il gagne valve qui c'est exhaust valve et plutôt intake valve nous parler de ça et plutôt capable retirer un valve et moi tout technique ça qui est important dans la vidéo ça c'est que pas gion clé pour retirer valve en dans un intake moi tout technique que moi utiliser la carpam dans shop moi pas utiliser technique ça parce que j'ai pièce ça mais la carpam c'est que moi pas pièce ça moi gion technique que moi m'utiliser pour capable retirer valve yo en dans intake là ça c'est valve intake là après valve intake là il y a tant pis pilage la machine yo le sa natural aspirator comme si machine ça lui-même il respire naturellement ça veut dire que lorsque la respire par gon tube ou bien tube on supercharger qui a forcé l'air entrer là-dedans et ben il naturel et il respire naturellement et ben qui sont besoin faire lorsque ou faire un moteur qui respire naturellement et ben qui sont besoin faire ou besoin faire intake là pilage parce que lorsque intake là lorsque vous regardez là lorsque moteur là et virer et puis tout lui permet l'air entrer dans l'intake là à cause de l'âge ou permet plus l'air entrer en la combustion moteur machine là nous avons tout ça dans la vidéo plus l'air apporter en la combustion et puis tout dans exhaust là à cause lui-même ou besoin l'air là dégager à cause lorsque moteur là fin faire combustion et puis tout lui fait explosion et ben ça passe ou besoin jeter la fumée ça que ou gagne dans moteur ou besoin jeter et ben ou tête cylindre dans lui-même, il contribue avec exhaust qui c'est parti mon frère là, et ben il ouvre lui-même, il jette là. Moi pas moto technique là, normalement qu'on n'a pas regarder technique là, comment me faire capable retirer et valve en notre tête cylindre sans que moi pas besoin utiliser et clé qu'on pareil au fait. Moi capable faire ça la cao, très facile ou capable faire ça la cao bien dans garage, sous pas clé au son comme souvent qu'on tape l'argent et ben capable passer avec une technique comment capable retirer et valve en notre tête cylindre. Eh bien, pour retirer et valve là en de tête cylindre, il gagne un spring add-on et puis il gagne des petits faits qui les il gagne des petits faits là-dedans qui cabe valve là et c'est qu'on pas valve intake là motile pour qu'on monte bien. Ça c'est valve là. Eh bien, qui ça qui cabe valve là en dans intake là c'est des petits faits qui cabe yo et non spring là qui permet de pas tomber en dans cylindre. Souvent ça on casse en dans moteur là, il pas facile, il pas comme facile pour ça au casser, mais automatiquement ça attaque casse bel sorti il tomber et ben va vous tomber en dans et cylindre et ben la craser piston, la craser tête cylindre. Et ben c'est même genre tout capable aller là. On prend lui, va là contribuer comme ça, des chita comme ça, spring là et ben tout vous mettez et ben lui même lui permettre lui entrer en dans spring là. Et tout le capter là. Là, on met force li, pour pas retirer. Et bien, on va montrer comment on peut retirer spring là, qui c'est ressort là. Et on peut retirer valve là en tête cylindre sans qu'on ait besoin de clé comparée au confère
m'pas ou pas besoin non mais si que ou pas gagne ou pas gagne assez l'argent pour acheter et m'a montre comment faire ça facile très facile il pas vraiment facile mais il facile pour moi même et mais qui soit besoin quoi besoin un boulon qui capable entrer en dedans n'importe trou qui ouais qui gagne boulon sur tête cylindre souvent comme gagne côté pour tête cylindre capable toc ou du moins gagne côté comme mettre pour capable fermer et valve là capable joindre côté trou côté vis entrer pour boulon entrer pour mettre valve cave là qui c'est ici qui c'est valve cave là après ça c'est valve cave là sur n'importe trou boulon qui ou joindre en dedans tête cylindre ou capable prendre un boulon qui entre pendant ces mètres clés et puis tout moi aller là besoin retirer et puis toi besoin une clé tout encore besoin clé ça pendant c'est on 10 ça pendant son 16 qui c'est métrique et puis tu mettez les en dedans comme ça mettez boulon en dedans ça son système technique ma moto et puis tu prends et boulon ou fouer les en dedans tête cylindre n'est qui mécanisme qui t'en va ça va le faire n'importe boulon qui au jeune n'importe trou boulon qui au jeune dans tête cylindre capable faire ça va faire c'est comme si on levier qui m'a utilisé pour me retirer et des petits feux pour me retirer soit là pour me capable garder en dedans en valve là et ben moi comme besoin faire ça avec mon besoin tournevis plate souvent moi qu'on utilise l'aimant on tournevis qui gagne l'aimant là-dedans et même pas que ça avec bon n'a travail avec ça comme ça et tout on mettez boulon pas besoin serrer boulon serrer parce que la jambe serrée et tout ou peser spring là peser sous spring là parfois tu as besoin pour frapper pour qu'elle sorte si sub parce que depuis les moteurs là fait ça n'importe 20 ans ou du moins 15 ans depuis les moteurs a fait et puis tout spring là tout collé avec et ben là ça veut dire il y a une température qui t'est passé là-dedans et bien il y a été chauffé et bien il prend place comme si fait affaire bien pour place ensemble mais au besoin excité pour capable faire sortir ou frapper comme ça après il sorti il lever peut-être pas on nous descend caméra pour regarder depuis bien ça va faire et puis qui soit fait ou pour ton avis partout ça c'est ton avis partout là songez que vous mettez boulon en dedans bon moto puis bien comme ça tout est doit aller deyo tête s'il en fait ça tout ça va faire et puis vous mettez un washer du moins et écoum quoi vous ça écoum en créole si me rappelez moi et puis vous mettez washer en anglais c'est anglais c'est washer et vous mettez le comme un levier et puis vous pesez sous lui mon petit démon vous pesez si que il va aller sortir ou exciter avec un marteau ou du moins clé que vous gagne ou souvent gon clé beaucoup tout ou exciter lui ou après les descendre et puis tout soit faire ou continuer peser sous lui ou continuer peser sous lui et puis tout permettre ça ou permettre de sortir ou pas foirer en un ou même besoin parfait ou pas foirer en un j'aime de là les pont bagage qui facile parce qu'on pas gain clé normal là ya auto comment ka fè la kaw si ke m pa gen clé avèm m la kaw mwen m ap travay m ka fè ça mais si n gen lèman ta et sorti rapide mwen ti yon il pas facile parce que pour contour et puis tout ou pas l'élément avec l'élément t'as plus facile l'élément t'as mis peser mettez l'élément là dedans mettez à l'aile et tout ou retirer boulon pour finir tirer boulon alors ça ou parfois il y a ou pas craser rien c'est seulement technique moi moto la car ça c'est technique moi utiliser la car moi et pour me capable utiliser si que me bagay pièce et toujours faut façon pour me capable et utiliser une technique si que me bagay pièce même non rage me pas non rage me besoin et dépanner tête moi toujours utiliser une technique pour me sortir là-dedans so et tout aller spring là qui c'est ressortant et tout les un petit chapeau sur tête lui qui chita là-dedans qui permet les marcher soit les soit vraiment vraiment soit et puis tout ça c'est parti et exhaustant qui c'est non parti mon frère là et puis tout prendre des petits feuilles vous mettez au chita côté retirer là et puis tout vous retirez va vous qui c'est va avec exhaustant retirer ou après lui sale ça fait lui sale lui-même c'est ce côté là fumé à passer
ce côté de la fumée a passé. Et lorsque la fumée a besoin de sortir, ma moto lui, parce que c'est une moto, moto exhaustant. Ok? La fumée, je finis de faire combat, j'ai besoin de jeter la fumée. Hein? Ouvert. Et va voir qui c'est exhaustant, plutôt l'air passer le sortir. Pression, piston, pour se sortir. Et plutôt, ou gagne un bougie hein, qui chita là lui-même. Et bien, c'est ça qui contribue. Et dans la tête silencieuse, à partir de et côté silencieuse chita, ou gagne exhaust intake, intake exhaust, intake exhaust. Et on prend la différence partie dans la tête silencieuse lorsque vous regardez derrière la tête silencieuse. On prend un valve qui pilage qui. Yon pipiti ki yon lot ki pipiti comme si yon ki pipiti yon ki laj et mais ça ki pilage non moté ki pa gagne tubo ou bien supercharger la donne ça kon passé yon mette intake lan pilage de façon pour plus les capable entrer puis tout jeter la fumée et puis tout si ki gagne un moté ki gagne tubo sur le souvent yon kon mette intake lan nan pipiti an parce que gon tubo ka forcer l'entrée l'air la capable entrer plus rapide avec et valve la ki piti et puis tout exhaust qui c'est dans partie moufle là y a fait le pilage. Yo kon transverse yo et intake pilage ou bien exhaust kon pilage tout ça va dépendre de qualité moteur machine est-ce que son moteur qui utilise tubo ou est-ce que son moteur qui pas utilise tubo si qu'elle utilise tubo ou a besoin yon valve qui pilage si qu'elle utilise tubo tout dans intake la besoin ni pilage ou a besoin ni moins si qu'elle pas utilise tubo ou a besoin ni pilage et bien c'est ça qui contribue non moteur gasoline qui utilise tubo ou soit ou pour intake en large exhaust en vraiment minime qui vraiment petit et mais c'est ça qui gagne dans partie exhaust et mais comme nous on parlé de et tête silencieuse et ben ça passe lui-même ou gagne gasket là lui-même les vient chita pour lui permettre et combustion pas sortir qu'on a plusieurs scénarios qu'on nous veut lorsque moto là quand on bosse du coup ça tête silencieuse pas bon les du gasket tête silencieuse pas bon. Eh bien, dit qu'on a quelque chose à poser en tant que client, on dit comme ça, qui boit le coulé, ou du moins côté l'écraser. Souvent, les qu'on écrase là, et puis tout l'air qu'on entre dans l'eau, spécialement moteur qui fait venir qu'on a pas mettre l'huile traverser dans tête silencieuse, alto bien encore moteur encore, il faut tout faire par en l'air. Et bien, qu'on a c'est de l'eau seulement qui qu'on passer entre combustion là avec et tête silencieuse. Eh bien, comme nous avons gasket, c'est plutôt qu'on ciment, on met un bloc, mais qui fait maçon très vraiment comme ça ou bien. Et lorsque mettez bloc dans son bloc, il besoin mettre ciment en balle ou du moins béton en balle qui pour permettre lui chita bien pour seal. Et bien vous besoin on gasket pour seal bloc moteur là avec tête silencieuse. Lorsque tête silencieuse bien chita ou torque bien torque, ne pas faire tout bagage pour vous. Et puis tout glow passer dans petit trou ça. Et bien si que il dit tête silencieuse craser, comment on va identifier tête silencieuse craser et gasket tête silencieuse craser. Et bien on a besoin glow qui a pompé dans le réservoir coule tout ou bien réservoir de l'eau moté machine et puis tout l'autre bagage que wap jeune de l'eau dans l'huile wap jeune de dans l'huile ou du moins l'autre façon besoin qu'on si tête silencieuse écrasé automatiquement tête silencieuse dans moteur là du chita même avant que vous garde avant que vous tire tête silencieuse dans moteur là automatiquement valve cover là ou retire valve cover là dans tête moteur dans tête silencieuse valve cover là chita comme ça automatiquement ou retire valve cover là de vous jeune de l'eau chita sous tête valve yo et mais connait tête silencieuse gasket tête silencieuse pas bon ou du moins tête silencieuse qu'on craquer à cause aluminium li qu'on craquer et ben dans moteur ça est un premier à un scénario qu'on passer ou du moins qui l'autre façon qu'on connecter ou qu'on connait et gasket tête silencieuse pas bon. C'est lorsque on start machine, il va jamais start souvent. Comme si il start après un temps, il chauffe. Comme si il aime chauffer, comme si il start après un peu de temps. Et mais ça, comme passé, l'air, comme passé en dedans, en bas, gasket là, là, il tombe dans l'autre chambre, cylindre. Et mais on pas avaler ça, faut qu'on mette un tout neuf, et puis tout pour chercher qu'on est, pour qui raison, et l'air a coulé dans le moteur là. OK pour nous faire vidéo très rapide parce que les gars plus bagarre là-dedans tête silencieuse gars plus bagarre vraiment compliqué et puis tout l'autre bagarre qui au besoin qu'on a tête silencieuse est-ce que tête silencieuse droite comment on capable qu'on identifier que si tête silencieuse droite eh ben na casa on besoin yon square yon le ça en anglais square et qui contrôler si on bagarre plate niveau eh ben
si que ou pas dans cap pam nan technicien en tant que technicien moi-même gagne yon qui dans travail moi qui mitige travail presque chaque jour li vend cher li kon vend n'importe 300 ou 400 dollars US et ben moi-même pas besoin utiliser en tant que technicien c'est qu'on fait cap commencer dans mécanique m'a montre yon technique qui souvent facile ou bien ou jwenn bagay comme ça la ka ou bon la ka ou bien la ka ou jwenn yon square comme ça la ka yon niveau qui la ka ou jwenn ça la ka ou quand même yon niveau faut que tout neuf droit et ben pou ka contrôler combien est-ce que tête silène droite nous pas mesurer si tête silène droite OK et bien on prend square qui c'est square et toi prend filet gejou on prend filet gejou comme son bagage qui vraiment pas qu'on gagne li kon noté genre 100% et plate et bien qu'est-ce qu'on a fait n'a commencé depuis à 4 d à 4 jusqu'à ce nous joigne combien mesure qui passait entre et niveau A et en bas tête silène on commence à 3 et 3009 comme commence avec 3 et plutôt on mettez gauche droite très 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 droite et vous trouvez c'est entre les en bas niveau ouais 3009 qui vraiment petit en pile n'a pas essayé qui plus petit que ça ça veut dire que tête cylindre après mais faut que étoile tête cylindre étoile moi pour moto comment pour étoile parce que besoin vidéo entre compte pas besoin bouler mais gars bait nous parler avec une qui pipiti c'est 15,000 qui c'est 15,000 ça c'est pipiti que me gagne on a gardé c'est la patrie voilà ou fouiller en balle ouais il entre ça lui 15,000 entrer gain côté il pas entrer là pas entrer là pas entrer mais là il rentre ça veut dire que là il gagne une déformation. Et bien, c'est peut-être ça que vous avez un gasket tête cylindre. Bon, je vais si moi, je vais vous donner une partie ça. Mettez les doigts. Il est presque entré. Faut peser sous lui. Peser sous lui. Il est still entré. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Quand vous cherchez qu'on est tout côté en dedans comme montant là, qui ça qui est plus petit, qui ça qui est plus gros. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré, il n'est pas entré. Il n'est pas entré, il n'est pas entré, il n'est pas entré, il n'est pas entré. So, imaginons, 15,000, c'est ça que moi j'ai gagné dans mon moteur maintenant, qu'il n'est pas entré. Lorsque je fais check, et non, je vais faire check ça. Je vais vous faire un petit peu dans l'autre vidéo qui est pour faire là. Et ok, l'autre bagage qui est lorsque vous avez besoin, lorsque vous achetez un gasket tête cylindre, faites ce que vous achetez un gasket tête cylindre qui est comparé à mon dos. Dans une note qui est pas maintenant que je prends, comparé à mon dos, et grosseur, ou du moins, grosseur, gasket tête cylindre, il est supposé 0.74 over an inch. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais caliper moi, je vais ouvrir caliper maintenant. Je vais mettre en inch qui est en anglais et en anglais je connais. Je vais mettre me permettre les 0. Je vais mettre les 0. Je vais mesurer et tête gasket moi. Parce que je vais acheter une tête gasket qui est plus petit que ça. Je vais la permettre de vave moi toucher avec et piston moi. So, mais côté qui est plus gros dans tête gasket là, c'est là. Qui est plus en forme, qui est plus en santé. Et qui s'en fait, je vais mettre les 0. Je vais pas menacer. C'était la millimètre. Mettez-le en anglais qui c'est over an inch. Ah, ça m'a ouvert. Qu'est-ce que je veux là? 74. Qu'est-ce que livre m'a dit que je dois gagner? Livre m'a dit que je suis supposé gagner 74 over an inch. Eh bien, m'a acheté un bon tête gasket. Et puis, tu m'as fait essayer l'autre plusieurs côtés encore. Voilà, la pédivier en mètre là même. 0. So, il n'est pas vraiment parfaitement. Là, bon, moi. Get crass. Tout le monde bagage ça, get crass. Crass seulement qui permet de pas gon bon. Parallèle bien 72 ta dame de mesure 74
73 qui variait. 73 vraiment variait. 73 c'est un bal pour mi-temps pour moi. Qui dit fait ce qu'il y a. 73 72. Ça veut dire que Mouelli est entre 72 et 73, mais au moins 74. Eh bien, peut-être que c'est bon, il n'y a pas aucun problème, il est seulement varié, seulement l'absil, tout ça que j'ai besoin de faire. C'est comme ça que vous checkez peut-être que c'est avant que vous mettez un tout neuf. Parce que vous avez acheté un tout neuf et étiquette qui n'a marché à tout ancien pour là, lorsque vous cherchez qu'on est thickness ou du moins grosse li, il y aura un bagage, et vous avoir frappé de faire moteur. Et vous mettez moto comment pour pouvoir retirer Vavou. On a tête silena et puis tout tête silena qu'on gagne sensor là dans tout qui pour contrôler coolant là comme si pour contrôler température de l'eau moteur là et puis tout le bagage tête silena ça gagne qui vraiment différent l'huile pas passer en dans tête silena là tout bien dans combustion moteur là juste l'huile tomber là et puis tout l'huile là conduit dans un trou les vins sortis là tomber dans un tête là nous voilà moteur là dans moteur là lorsque nous mettons dans moteur là pour nous capable top moteur là pour ça veut dire l'huile était là. Et puis tout l'autre bagage que j'ai besoin de montrer encore dans la dernière vidéo, si vous regardez la dernière vidéo, moi, je crois que côté que je parle des cils qui gagnent dans la vague. Mes cils là. Ça, c'est le cil qui gagne dans la vague. Si le cil ça n'est pas bon, je peux mettre l'huile passer à l'tobé dans la vague. Mais il y en a, vous pouvez voir là. L'huile qu'on passe, si le cil ça n'est aussi pas bon, l'huile qu'on passe pendant et va là avant de sortir, l'huile tout passe là dans l'tobé dans la combustion. Eh bien, ou capable ça tout. So ça c'est style ça yo. Et puis tout yo le insert seal for valve pour valve et ça seulement ou capable retirer yo si que un tout neuf ou prendre un marteau avec un pince comme gien avec le RML mais peser lui sorti ou tu capable mettre une presse mettre là dans une presse mais moi si tête silence ça aluminium bra je mettre là-bas en presse parce que m'tape l'étape couché m'tape plutôt prendre yon punch pour me permettre d'y entrer dans ça et pour me permettre de sortir parce que je ne peux pas avoir foiré ça parce que c'est aluminium, il n'y a pas de force poids. Et nous allons mettre tête cylindre sous tête sous tête bloc moteur là et puis on va mettre gasket dans la moto qui joue pour toc et tête gasket dans la moteur là.